Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24, sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité, avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, dans mes sportifs partout, partout, bonjour, bonsoir. Nous très contents avec nous l'autre fois encore pour présentation journal là qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 dans le matin et puis midi et demi. Grand titre, la qualité sportive flash, plan national, Gold Cup féminin États-Unis 2024, jeudi 20 février pour arriver dimanche, battu par Porto Rico 1-0, en match de barrage, Haïti éliminé. Éliminatoire Coupe du Monde masculine U20 Chili 2025 à Bastère du 23 au 27 février. Haïti a démarré le tournoi ce vendredi 23 février face à Île Caïma à 3h PM. Futsal, championnat régulier de la Ligue de Port-au-Prince, 3e journée, le week-end écoulé. Victoire pour ADGFC avec Chelsea FC. À l'étranger, tennis, un tournoi de Rotterdam et de Doha. Victoire finale de Jannik Sinner et de Iga Swiatek. Basketball, NBA, le pivot haïtiano-américain Nerlens Noel en contact avec New York, Houston et Charlotte. Football, championnat d'Espagne, 25e journée, Real Madrid tenu en échec par Vallecano 1-1, FC Barcelone bat Celta Vigo 2-1. Championnat d'Angleterre, 25e journée, Liverpool solide leader, Manchester City freiné par Chelsea 1-1. Championnat d'Allemagne, 22e journée, nouvelle défaite du Bayern Munich battu par Bochum 3-2. Et puis Ligue des Champions, 8e de finale. Aller, PSV Eindhoven, Dortmund, Inter Milan, Atlético Madrid, ce mardi à 3h. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Développement actualité sportif là, d'abord sur le plan national, énorme déception pour Haïti qui n'a pas participé à la première édition Gold Cup féminine qui va le faire aux États-Unis 20 février au 10 mars 2024. En effet, samedi soir, au G&T Health Sports Park à Carson, en Californie, Gwennad Jerryo, 51e mondial, est tombé devant une modeste formation portoricaine 1-0. Porto Rico lui-même, 103e mondial. Il y a un goal rencontre là, il était marqué sous pénalité par Giuliene Aguilera
à la 41e minute. Pourtant, en début de rencontre, Haïti a gagné quelques occasions de prendre avantage là, notamment par Chodinski Joseph, 20e minute, et Nerilia Modésir, 28e minute. En deuxième période, Haïti pas cessé pour essayer pour rétablir l'équilibre là. Il a gagné une chance lorsque, après une révision du VAR, arbitre central là, il a accordé un penalty à la 74e minute, mais le tir de Nerilia Modésir était arrêté par l'excellente gardienne de Porto Rico, Sidney Martinez. Il finit donc rencontre avec 15 arrêts. On invite aussi réaction sélectionneur national, Frédéric Gonzalez, après élimination sélection. Le nombre d'occasions qu'on a, on se doit d'en mettre au moins une, voire deux. Aujourd'hui, on perd un match. On n'a subi aucune occasion. On prend le penalty, on a pris zéro frappe au but à ce moment-là. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'on en ait pris un tir durant tout le match. C'est une énorme désillusion pour tout le monde, moi le premier. On a essayé de changer des choses dès la mi-temps. On a été encore plus offensif, on a été plus conquérant. Après, on est tombé sur une sacrée gardienne. C'est elle qui nous fait vraiment mal. Et comme on sait, hein, en perdant 1-0, on donne le moral à l'adversaire. Et nous, on commence à perdre en confiance. Les frappes détournées par la gardienne, par une joueuse, poteau, penalty sorti par la gardienne. La gardienne aujourd'hui a fait, je dirais pas le match de sa vie, mais c'est en tout cas, je sais pas ce qu'elle a fait comme match auparavant, mais. Elle nous a fait très mal, elle a fait une grande performance, bravo à elle. Et nous, je pense encore à ce que j'avais déjà dit précédemment, notre vrai souci aujourd'hui, c'est la jeunesse. Cette équipe-là aura d'autres moments de gloire, ça je suis persuadé. Ce groupe-là aura des moments de gloire, j'en suis encore plus sûr aujourd'hui. Et malheureusement, il faut passer par ces mauvais moments pour que ces filles-là puissent grandir. Maintenant, évidemment, j'ai ma part de responsabilité, comme je l'ai toujours dit, comme je leur ai expliqué aux filles, parce que j'avais l'impression qu'aujourd'hui, on avait démarré le match. Comme ce qui s'est passé au Costa Rica, mes joueuses étaient stressées, angoissées, et à la mi-temps, c'est ce que je leur ai demandé, de lâcher les chevaux, parce que quand on a peur de mal faire, c'est là où on fait mal. Et la différence entre la première et la deuxième mi-temps, c'est vrai que j'ai fait rentrer deux filles qui ont aidé par beaucoup l'équipe. Mais j'aurais préféré qu'aujourd'hui, Batshiba ne joue pas. Batshiba est arrivée avant-hier, on est en jeu le mercredi. Elle avait pas du tout 90 minutes dans les jambes, donc j'aurais préféré pas la faire rentrer. Je l'ai fait rentrer dès la mi-temps. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi aujourd'hui, comme je vous dis. J'ai aucun souci là-dessus. J'assume la défaite parce qu'on n'a pas été capable de marquer. Maintenant, je pense que même on aurait joué encore une demi-heure de plus, on n'aurait pas réussi à marquer. Il y a des jours comme ça où ça ne veut pas rentrer. Et bravo à Porto Rico, bravo pour leur qualification. Nous, il nous reste à travailler, à faire grandir encore ces joueuses. Et en espérant que dans les prochains mois, les prochaines années, Haïti participe à toutes les compétitions, car c'est ça l'objectif avec ces joueuses-là si talentueuses. C'était donc réaction sélectionneur national, Frédéric Gonzalez, suite au match de barrage. Déroulé samedi soir au Dignity Health Sports Park à Carson en Californie. Trois vainqueurs, à savoir la République Dominicaine, Puerto Rico et Salvador, sont qualifiés pour la phase de groupe de la Girl Cup féminine. Parmi les 12 équipes qualifiées, il y a 7 qui ont participé à la Coupe du Monde féminine Australie-Nouvelle-Zélande 2023. Ces matchs seront joués du 20 au 28 février en 3 stades différents. C'est Dignity Health Sports Park, groupe A, Snapdragon Stadium, groupe B. Et Shell Energy Stadium, groupe C. Le groupe A, maintenant, est composé des États-Unis, du Mexique, de l'Argentine et de la République Dominicaine. Dans le groupe B, nous retrouvons le Brésil, la Colombie, le Panama et Porto Rico. Alors que le groupe C, il y a là-dedans le Canada, Costa Rica, Paraguay avec Salvador. À l'issue du premier tour, les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes, ils vont qualifier pour les quarts de finale. Ils vont le faire au stade BMO les 2 et 3 mars, suivi des demi-finales. Et de la finale au stade Snapdragon les 6 et 10 mars respectivement. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
L'autre point de l'actualité sportive là, sur le plan national, gagne la première phase éliminatoire Coupe du Monde masculine U20 dans la zone CONCACAF-là qui va dérouler 23 février au 2 mars 2024 sur 5 sites en Amérique centrale et dans le Caraïbe-là. 27 équipes masculines nous réparties en 3 groupes de 5 et 3 groupes de 4. Composition groupe groupe A, Cuba, Nicaragua, Belize, Île-Gilles Britannique, Macho Balfet, le Stade National Managua. Groupe B, Salvador, Antigua et Barbuda, Suriname, Guyana. Il Tuken Kaikos, Macho Baldeoule, le centre technique ABFA, Pigot, San Antigua et Barbuda. Groupe C, Guatemala, Curaçao, Aruba, Saint-Martin et Babad. Rencontre au Balfet, le stade d'Oteo, Guamoche, Flores, à Guatemala City. Groupe D, Canada, Trinidad, Tobago, Saint-Vincent et Grenadine, la Dominique, Macho Balfet, le stade HTK Fort, la Port-au-Spain. Groupe E, Haïti, Porto Rico, Saint-Christ et Nevis, Il Caïman. Rencontre va dérouler dans le centre technique SKNFA à Bastère à Saint-Christ et Nevis. Tandis que la délégation haïtienne est déjà à pied d'œuvre du côté de Bastère. Groupe F, Jamaïque, Bermude, Grenade, Martinique. C'est là, c'est également le centre technique SKNFA à Bastère. Après, phase de groupe là, équipe plus classée premier an. En chaque groupe, il va qualifier pour la dernière phase des éliminatoires. Il va rejoindre les 6 autres nations déjà qualifiées, à savoir États-Unis, Honduras, Mexique, Panama, Costa Rica, avec la République dominicaine. Calendrier sélection nationale masculine U21, vendredi 23 février, 3h PM, Haïti, Île Caïman. Dimanche 25 février, 6h PM, Saint-Christ et Nevis, Haïti. Et puis, mardi 27 février, 3h PM, Haïti, face à Porto Rico. Pour nous clôturer l'actualité sportive, là, sur le national futsal, tu as gagné un match en cadre du championnat régulier Ligue Port-au-Prince, baptisé Opération 2026, troisième mondial en gymnase de Messin samedi dernier. Il y a FC Kappa avec Santos FC qui fait 1-1, ADG FC bat Bacop Noir FC 6-5, victoire de Chelsea FC 4-2 au dépens de Chaka FC, et puis match 1-1, alors match 7-7 entre FC Belfort et Union Hope. Un petit pause, là nous retournons, nous allons aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Mes amis docteur Georges, a pas me tendre ces choléra qui touille Pierrot. De quoi me t'étendre maladie ça a t'est passé? Passé, madame Jean. Non marché. Après choléra t'est fini disparaître pendant un bon bout de temps, il retourné à faire des gars encore. Mais comment pour nous barrer choléra docteur Georges? Ça facile. De pour servir à glo traité pour boire et puis manger, laver mais on à glo ak savon, si tout les saute dans toilette ak avant ou manger, choléra pas joindre nos route pour entrer sous. La barré, bien barré. Eh bien, pas de problème. Nous tout kon bagay sa yo déjà. Kon el se youn, mais est-ce que nous fait yo? Bon, nous fait ça nous capable. C'est pas fait ça nous capable, non? Yon sel green foi compte pour choléra rentrer sous. Kon el se youn, mais c'est pour nous prendre précaution tout temps. Songe, choléra reparaît, c'est nous tout qui pou barré. C'était yon message MSPP ak partenaire yo. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Le monde de la communication vous intéresse? Vous rêvez d'un avenir meilleur? Vous voulez améliorer votre langage et votre capacité de communiquer? Le centre de communication appliquée, Sénacom, est là pour vous accompagner. Le Sénacom est un choix intelligent en matière de communication, tout en s'axant sur l'audiovisuel. À Sénacom, nous avons les professeurs expérimentés dans le domaine. Une méthode adaptée à la réalité de l'heure, afin de former des professionnels pour une presse plus utile. Le Centre de communication appliquée Sénacom vous offre des cours en art oratoire, journalisme multimédia, journalisme sportif, communication française, animation et présentation radio-télé. À Sénacom, c'est surtout 80% pratique et 20% théorie. Le stage est garanti.
Sénacom, c'est aussi des cours de vidéographie, photographie, montage vidéo, graphic design et technique de mise en onde. Sénacom se trouve au numéro 12, Rue Joule, Delma 33, à côté de CPM, local du Centre Pédagogique Frères Unis. Les inscriptions sont en cours pour la nouvelle session. Contact 36 26 45 44 55 40 53 18. Sénacom, une école pratique. Sénacom, le présent de votre avenir. Yo bro, t'es quoi dit si dame ça que j'aime vivre si dans ça. Bon, comment le fait en forme comme ça mine? En tout cas bro, elle est en forme frère. Bah privé non papa. Pour qu'on se pas capon. Cher. Bon, qu'est-ce ça on dit là? On pas informé? On monde qui gagne vivre si da. C'est tant qu'on est porte maladie qu'on est qui? Tant qu'ou maladie que si tension. Et puis tout, depuis mon nan pied prend médicament, la mener vie familiale, aller l'école ak travail normalement oui. Crété Régine, comment fait comme toute bagaille ça yo? Maman le docteur oui, crété. Ou gen l'oublier. Et puis, moi informé en pile sous sujet a. Yon moun ki gen jem sida, ki toujours bien prend médicament ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement, li pa ka bay yon lot moun sida nan fè sexe. C'est un couvrir cela te disparaître dans sang. Oh. Disparaître dans sang même, ça veut dire, il pas gagné encore, il est toujours gagné. Mais grâce à ce médicament ARVO, quand c'était virus qui dans sang vient tellement petit, test à examen laboratoire pas même rivé détecter. Mais faut qu'il toujours prend médicament ARV chaque jour et puis aller faire test là chaque 1 an. Information c'est gros causé. Pour moi, depuis mon langue sida, la ville finie. Problème manque d'information, ça fait nous faire un pile discrimination vraiment. Informez dans des timon. Yon ti kras VIH nan san égal zéro transmission. C'est un message, ministère santé publique PNLS, grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Alter Sport. Actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là pour qu'on y a sur le plan international, championnat européen en Espagne, c'est le 25e juin à week-end qui s'est passé. Villarreal, j'ai fait un goal partout. Atlético Madrid corrige la Spama 5-0. Osasuna bat Cadiz 2-0. FC Barcelone en dépassement, même si sur le fil, il bat Celta Vigo 2-1, en doublé de Lewandowski, 45e, 90e minute, plus 7 sur penalty, 0-0 entre Valence et Séville, 1-1 entre Rayo Vallecano et Real Madrid, même score entre Granada et Almeria, Real Sociedad bat Maroc 2-1, 0-0 entre Betis Séville et Alaves, Real Madrid en tête avec 62 points, Girona 56, FC Barcelone 54, Atlético Madrid 51, Atlético Bilbao 46, en Angleterre c'était 25e mouni à tout résultat. Liverpool en déplacement bat Brentford 4-1 en déplacement Arsenal corrigé Burnley 5-0. 2-2 entre Newcastle et Bournemouth. Gagné Aston Villa qui a bat Fulham 2-1. Nottingham Forest bat West Ham 2-0. Wolverhampton en déplacement bat Tottenham 2-1. Gagné Manchester City avec Chelsea qui fait un goal partout. Brighton en déplacement corrigé Sheffield United 5-0. Manchester United en déplacement bat Luton Town 2-1. Liverpool en tête avec 57 points, deuxième Arsenal 55 points, troisième Manchester City 53 points, quatrième Aston Villa 49 points, cinquième Tottenham 47 points, sixième Manchester United avec 44 points en Italie. C'était donc 25e journée à week-end se passer. Hein. Et Torino qui bat Lecce 2-0, gagne Inter qui bat Salernitana 4-0, 1-1 entre Naples et Genoa, 2-2 entre Las Villas et Juventus, gagne Atalanta qui bat Sassuolo 3-0, Bologna bat Lazio 1-1 entre Udinese et Cagliari. Empoli avec Fiorentina fait 1-1 tour. AS Roma en déplacement bat Frosinone 3-0. Monza bat Milan 4-2. Inter en tête avec 63 points. Deuxième Juventus 54. Troisième Milan 52. Quatrième Atalanta 45. Cinquième Bologne 45. Sixième Roma avec 41 points. En France, c'était 22e journée à week-end qui se passait à tout résultat. Lyon bat Nice 1-0. Gagne Lille qui bat Le Havre 3-0. Paris Saint-Germain en déplacement bat Nantes 2-0 grâce à Lucas et Mbappé. Lorient bat Strasbourg 3-1. Même score entre Rennes et Clermont. Victoire de Rennes, bien sûr. Montpellier bat Metz 3-0. Toulouse bat Monaco 2-1. 1-1 entre Reims et Lens. Et puis Brest bat Marseille
1-0. Passé Yamé en tête avec 53 points. Deuxième Brest 41 points. Troisième Nice 39 points. Quatrième Lille 38 points. Cinquième Monaco avec 38 points. Sixième Lens avec 36 points en Allemagne. C'était 22e journée. À tous les résultats. Werder Bremen bat Koloy 1-0. 1-1 entre Wolfsburg et Dortmund. Leverkusen en déplacement bat Endenheim 2-1. Même score entre Stuttgart et Darmstadt. Victoire de Stuttgart, bien sûr. Mayence bat Augsbourg 1-0. Gagne Union Berlin en déplacement qui bat Offenheim 1-0. RB Leipzig bat Mönchengladbach 2-0. Fribourg avec Eintracht Frankfurt 3-3. Et puis Bochum bat Bayern Munich 3-2. Leverkusen en tête 58 points. Deuxième Bayern Munich 50 points. Troisième Stuttgart 46 points. Nous jouons Dortmund avec 41 points. RB Leipzig avec 40 points. Et puis Ligue des Champions. Suite et fin des huitièmes de finale aller cette semaine. Ce mardi à 3h, PSV Eindhoven, Dortmund, dans même l'heure, Inter, Milan, Atlético Madrid. Mercredi 21 février, 3h, FC Porto Arsenal et puis Naples face à Barcelone. Résultat qui déjà enregistré. Manchester City te bat FC Copenhague 3-1. Gagné Real Madrid qui te bat RB Leipzig 1-0. Paris Saint-Germain te bat Real Sociedad 2-0. Et puis la Lazio te font belle victoire 1-0. Au dépens de Bayern Munich, après 8e de finale à Léo, 8e de finale retour, balle fête le 5-6, 12-13 mars 2024. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Dernière ligne droite, journal d'espoir, amis auditeurs, tennis fraîchement titré à l'Open d'Australie, l'Italien Jannik Sinner, il a posé lien 2-7. Accroché contre l'Australien Alex de Minaur en finale du tournoi de Rotterdam 7-5-6-4 dimanche. Il est désormais troisième au classement ATP derrière le Serbe Novak Djokovic et l'Espagnol Carlos Alcaraz. La Camille Damio, la Polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondial, y a remporté pour la troisième fois consécutive le tournoi de Doha. Elle y bat en finale samedi la Kazakh Elena Rybakina, numéro 4 mondial, en deux manches 7-6-6-2. Enfin, basketball NBA, Nerlens Noel, le pivot haïtiano-américain de 29 ans, qui part jouer saison ça, pourrait intéresser les Knicks de New York, mais aussi les Rockets de Houston et les Hornets de Charlotte, selon la presse américaine. Donc, on est en raison de Weekend All-Star, pas de gagner match en tant que tel dans le championnat, la NBA, et depuis vendredi soir. Et on a rappelé que compétition qui a repris et jeudi soir, mais avant, et classement qui vient lié à la conférence S, premier Boston, 43 victoires, 12 défaites, deuxième Cleveland, 36 victoires, 17 défaites, troisième Milwaukee, 35 victoires, 21 défaites, quatrième New York, 33 victoires, 22 défaites, cinquième Philadelphie, 32 victoires, 22 défaites, sixième Indiana, 31 victoires, 25 défaites, septième Miami, 30 victoires, 25 défaites, huitième Orlando, 30 victoires, 25 défaites, neuvième Chicago, 26 victoires, 29 défaites, dixième c'est Atlanta, 24 victoires, 31 défaites, conférence Ouest. Premier, c'est Minnesota Timberwolves. 39 victoires, 16 défaites. Deuxième, c'est Oklahoma City Thunder. 37 victoires, 17 défaites. Troisième, Clippers de Los Angeles. 36 victoires, 17 défaites. Quatrième, Denver Nuggets. 36 victoires, 19 défaites. Cinquième, c'est Phoenix Suns. 33 victoires, 22 défaites. Sixième, c'est New Orleans Pelicans. 33 victoires, 22 défaites. Septième, les Dallas Mavericks. 32 victoires, 23 défaites. Huitième, c'est les Kings de Sacramento. 31 victoires, 23 défaites. En 9e, c'est Los Angeles Lakers. 30 victoires, 26 défaites. Et puis en 10e position, Golden State Warriors. 27 victoires, 26 défaites. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toutes nouvelles sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui te domine la qualité sportive là sur National Football Gold Cup féminin États-Unis 2024, sorti 20 février pour arriver 10 mars, battu par Porto Rico 1-0, un match de bagarre Haïti éliminé. Éliminatoire Coupe du Monde Masculine U20 Chili 2025 à Bastère. Sur le 23 février 27 février, Haïti a démarré le tournoi sur le 23 février face à Il Caïman à 3h PM. Futsal, championnat régulier de la Ligue de Port-au-Prince, 3e journée. Le week-end se passe la victoire pour ADGFC, actuel CFC à l'étranger tennis, tournoi de Rotterdam et de Doha, victoire finale de Jannik Sinner et de Iga Swiatek. Basketball NBA, le pivot haïtien-américain
Yalène Sonwell, en contact avec New York, Houston et Charlotte. Football, on a l'espoir 25e mouné Real Madrid tenu en échec par Ayuba et Kando 1-1 et c'est Barcelone, bat Celta Vigo 2-1. Championnat d'Angleterre, 25e mouné Liverpool sous les leaders Manchester City freiné par Chelsea 1-1. Championnat d'Allemagne, 22e mouné, nouvelle défaite Bayern Munich, battu par Bochum 3-2. Ligue des champions, 8e de finale aller, PSG Eindhoven Dortmund, Inter Atlético Madrid ce mardi à 3h. Voilà donc, madame, monsieur, pour essentiel la qualité sportive, la plan national et international. Merci un peu pour fidélité aux amis auditeurs. Merci à collaborateur, nous, Jules Sandewa, qui était dans la réalisation. Nous croyons que c'était Smith Griffon, bon type de programme sur Alter Radio 106.1 avec alterradio.org. Édition journal, ça a bien mis un podcast. Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur la poste sur Spotify et Google Podcasts. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. 106.1 FM, Alter Radio. Yo si me wonga nan kaila papa, me kon a rim graze nan kaila.
Alter Radio, li fè, inè. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone. Aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe. 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine. 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Les proches du défunt leader de l'opposition russe Alexei Navalny se voient refuser l'accès à son corps depuis 3 jours, a déclaré lundi son équipe, précisant que sa mère n'était pas autorisée à pénétrer dans une morgue où il pourrait être conservé. La mère d'Alexei et ses avocats sont arrivés à la morgue tôt ce matin. Ils n'ont pas été autorisés à rentrer. L'un des avocats a littéralement été repoussé à l'extérieur. Lorsque on a demandé au personnel si le corps d'Alexei était là, il n'a pas répondu, a déclaré sur les réseaux sociaux Kira Lormich, porte-parole de Navalny. La veuve d'Alexei Navalny, Lulia Navalnaya, a promis de continuer la lutte contre Vladimir Poutine menée par son mari et a appelé ses partisans à la rejoindre 3 jours après le décès en prison de l'opposant dans des conditions obscures. Dans une vidéo publiée lundi, Lulia Navalnaya, la voix parfois serrée par l'émotion, est revenue sur le parcours et les souffrances de son époux et assurée qu'elle reprendra le flambeau. Il y a 3 jours, Vladimir Poutine a tué mon mari Alexei Navalny. Poutine a tué le père de mes enfants. Avec lui, Poutine a voulu tuer notre espoir, notre liberté, notre futur, a asséné Lulia Navalnaya. Je poursuivrai l'œuvre d'Alexei Navalny, je continuerai pour notre pays avec vous. Et je vous appelle tous à vous tenir près de moi. Ce n'est pas une honte de faire peu, c'est une honte de ne rien faire, c'est une honte de se laisser effrayer, a-t-elle martelé. Autre nouvelle, le projet de loi du gouvernement britannique visant à expulser des migrants illégaux au Rwanda porte atteinte aux principes fondamentaux des droits humains, a affirmé l'ONU lundi 19 février. Les effets combinés de ce projet de loi qui tente de soustraire l'action du gouvernement à l'examen juridique habituel vont directement à l'encontre des principes fondamentaux des droits humains, a déclaré le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk dans un communiqué. Asie, au moins 25 personnes ont été tuées et 8 blessées par un éboulement rocheux provoqué par de fortes chutes de neige dans le nord-est de l'Afghanistan, a annoncé lundi le ministère de la gestion des catastrophes. L'éboulement a ravagé dimanche soir le village du Nakri dans la vallée de Tatin dans la province du Nouristan, recouvrant les maisons sous des monceaux de rocailles. À cause de l'éboulement, environ 25 de nos concitoyens ont été tués et 8 blessés, a déclaré le porte-parole du ministère Janan Sayek dans une vidéo envoyée à la presse avant de préciser à l'AFP que le bilan pourrait encore s'aggraver. Entre 15 et 20 maisons ont été détruites ou fortement endommagées, a-t-il indiqué. Selon la police, lundi 19 février, au moins 64 corps ont été retrouvés sur les hauts plateaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la dernière d'une série de décès massifs liés à des violences tribales de longue date. Après ce qui semble avoir été une embuscade armée tôt le matin,